Re-bonjour et bienvenue à vous sur ce nouvel épisode de Escape Academy. J'espère que vous allez bien. On va continuer une heure de Escape Academy avec Sakel si elle veut bien valider la partie. Accessoirement, ça pourrait nous aider à jouer avec elle. J'ai pas reçu l'invite. Ben si, tu l'as reçu, mais tu n'as pas validé. Ben, j'ai pas reçu l'invite. Oh là là, quand je te dis que je la reçois pas, c'est que je la reçois pas. Là, je l'ai. Voilà, c'est peut-être moi qui ai annulé. On ne sait pas. J'ai pas la notice, il n'y a rien. Voilà, hein. On repart donc pour une heure de gameplay, je mets le petit timer, on va, normalement on est sur la fin, hein, le bureau de la doyenne, et ça doit être la dernière énigme. Alors, oula, ça a été fermé. Inspecté, interdit de rentrer, il a bloqué le bureau, il... Hé, hey, attends, arrête d'appuyer de partout, c'est moi qui appuie, merci. Limite de temps, on sait pas, difficulté, on sait pas. Tu demandes. N'appuie pas sur les trucs. Voilà, s'il te plaît. Enfin, j'ai cru que ce verrou ne céderait jamais. Qu'est-ce que... Tout est couvert, on dirait que cet endroit a été abandonné. Il y a quelque chose qui cloche ici. Reste sur tes gardes, j'ai un mauvais pressentiment. Ça va commencer par trouver il. Énigme de niveau 1, c'est le mec qui sait pas se planquer. Ah ouais, c'est ça. No one been in here since Eel took over. We better take a look around. Stay alert. Une gazette de l'évasion, si tu veux la lire pour avoir le succès. Note from Solange? Personne n'est venu ici depuis. Mes soupçons sont peu à peu confirmés, il faut que je parle. Bah alors attends. Ah oui, je connais cette énigme. Mm-hmm. C'est celui des sceaux et des galions alliés dans... Personne n'est venu ici depuis des mois. Est-ce que le directeur Hill a fait pendant tout ce temps? Bah il nous a enfumé le bâtard. Tu veux que je le fasse? Ah oui, c'est comme ça. En fait, okay, tu vas bon, gérer l'eau, enfin, tu vas gérer les niveaux en haut. Et tu dois faire des maths, pour le coup. Ouais, attends. Ah, si tu mets celui de gauche dans celui de droite, il va te rester 2. La flèche tout en haut. Ouais, voilà. Ça. Mais il me manque 1, il me manque pas 2. Oui, je sais, mais il faut faire des maths, c'est ce que je t'ai dit. Tu mets à droite, maintenant celui du milieu à droite. Ouais. Et après il me manque à nouveau 2. Okay, je sais pas, bon, je pourrais pas tester de toute façon. Je celle-là. Oh, ça a été cassé le truc. What, il y a des étincelles dehors. Ah non, c'est une fontaine. Ah ah, je l'avais. Putain. La ligne a été coupée. Oh, je l'avais. Ok, je l'avais, faut que je recommence. Vas-y, tu peux réinitialiser en haut si tu veux. Je vais réinitialiser de toute façon techniquement. Bah non, je peux essayer? Non, c'était pas ça. Attends, mais je l'ai, Doudou, je l'ai presque. Ça va finir, je l'avais compris. Ça t'embête pas. Bah vas-y, on te regarde. Tu reviens au début. Non, pas à 3. Non, je l'ai eu à un moment. Et tu l'as plus. Là, j'ai presque, parce que 2. Du coup, faut que je fasse passer... Au milieu, ça là-bas. Sur le côté. Okay, bah... Comment on avait fait pour en avoir plus? C'est ça. Là, je fais ça. Je fais ça. Putain, mais non, c'est le début! Bah oui, c'est ce que je te dis. Hein. Bon, vas-y, fais-le. On a pas de temps, mais en vrai, fais chier, je l'avais. Ça va initialiser, ok. J'avais, ça me casse les bonbons. En fait, à un moment, je l'ai eu, j'ai fait une connerie qui faisait que c'était plus possible.
Ça remplit tout là, je crois, ouais. En remplissant tout au milieu que tu peux y arriver. Merde, putain. Fallait que tu mettes à... Ouais. What? Attends, je me suis chié. Pas au début. Je peux? Ça fait 5. 3 et 3. Non, c'est pas ça. T'es devant là, ça va, je te dérange pas? Oh, t'es devant. Ça, je suis devant. Mais pousse-toi, tu me gênes. T'es devant mon écran, c'est une dinguerie. Ah, mais j'y étais pas. Et ben, j'ai pas bougé depuis tout à l'heure. C'est pas de ma faute. Oh là là. Si ça bug. Mais ça bug pas, c'est toi qui viens de te foutre devant. Non, mais je suis sur l'écran en pause, j'ai la manette posée. Qu'est-ce que tu me fais? Mais le personnage a bougé. Je suis désolé. C'est toi qui viens de te foutre devant. Et ben, j'y peux rien si mon personnage a bougé. C'est pas moi qui ai bougé, j'ai la manette qui est posée. Tu l'as. Bah, tu l'as plus. Bah, tu l'avais. Comment ça, je l'ai? Qu'est-ce que tu me racontes? Bah, tu l'avais, il suffisait de passer le gauche au milieu, le droit au milieu. Mais n'importe quoi! Tu peux ou pas? Non. Si, tu l'avais, il te manquait qu'un et t'avais un. Mais merde, c'est pas ce que je veux faire. C'est deux qu'il faut. Non, tout à l'heure, il fallait qu'un. Oh punaise! Si tu veux, hein. Ah, c'est bon. Bah non. Non, c'est pas bon. Par contre, si tu vires tout de l'autre côté, t'as 1, tu peux mettre le 1 et après essayer de récupérer 1. Je veux pas récupérer 1. Ah putain, c'est là où tout à l'heure j'ai merdé, fallait pas récupérer 1, fallait juste balancer le 2 après. Ah. 3, 2. C'est 2 qu'il faut là. Je peux ou pas? Attends. Bah non, là ça va remettre 3, c'est pas intéressant. Non, c'est pas au milieu qu'il faut mettre. En fait, faut vachement switcher entre les deux extérieurs. Ah, j'en rêvais plus, je le faisais avant. Je l'avais moi aussi tout à l'heure. Et là, j'ai récupéré une fois pendant que tu le faisais et après, j'ai reperdu. Bon, à ton tour. C'est le truc qu'il y a dans. Die Hard. Oui, dans plein de trucs. Mais pas que dans Die Hard, tu me diras. C'est 5 et 3, de toute façon, le truc. Et il faut faire 4. On est vraiment cons, hein. Ouais, tu vas servir en même. Salut, toi. Attends, papa et maman, ils font les bêtises. On fait la même chose en boucle. Hein. Non, attends. Eh, eh, des griffes sur ça, je te défonce ta race ou quoi? Merci. De toute façon, le centre, que tu le mettes à gauche ou à droite, ça revient en même, ils sont pleins. Ah, mets-le au milieu. Mets le, celui de gauche tout à droite. Oui, mais c'est ce que j'étais en train de réfléchir. Maintenant, mais... vide à gauche, celui du milieu. Ouais. Et maintenant, c'est pas ça. Ah bah si non, ce... mais... Voilà, si, c'est ça. Voilà, bien joué. On l'avait, ah. On n'était pas loin. Bravo. Attends, what the fuck? C'est un robot. Le prof. Ah, 733. T'inquiète, on va le défoncer. Inspecter. Il est un robot. Ah, c'est le robot qu'on avait dans la salle d'avant. Il charge, mais je peux pas le débrancher depuis ce côté.
T'avais trouvé le câble. Bah, est-ce qu'on peut ? Ok. Bonne nuit, il... Allez, hop, il n'y a plus de batterie dans le bonhomme. Complètement HS. Les poches sont vides. Inspecter. Plus le temps passe et plus je me dis que ces armes pourraient s'avérer utiles. On a la musique. Ici, on a quelque chose. Une carte. Ah, non, bah voilà. Il avait voilà. une clé dans sa main. J'avais hein. pas fait attention. C'est là où je suis. Alors attends, elle est où la carte? Là, ouais. Succès. Détective académique. Oh, s'évader de la confrontation. Allez. J'aime bien parce que pour une facile... C'est fou. Est-ce que il est un robot depuis qu'il est arrivé ici? Et cet ascenseur, j'ai bien l'impression qu'on n'était pas censé le trouver. Je ne sais pas où il mène, mais c'est notre meilleure chance de comprendre ce qui s'est passé. Arrête, Kali. On dit qu'il peut activer de... Alors, on dirait qu'on peut l'activer depuis l'extérieur. Il va falloir que quelqu'un reste en arrière. Ça me fait mal de dire ça, même si j'aimerais bien résoudre ce mystère moi-même. Tu sais aussi bien que moi qui devrais descendre. Ça devrait être vous deux. Essayez de revenir en un seul morceau. D'accord? Et maintenant, vas-y, avant que je change d'avis. Let's go. Y a plus personne à qui parler. On est reparti. Ah, on peut lui parler avant. Tu ferais mieux de descendre. Moi, je vais rester ici avec Robot L. Robot Hill. Histoire d'éviter d'autres mauvaises surprises. Préviens-moi quand t'auras terminé tes préparatifs. Bon, bah on se casse. Hein. Voilà, difficulté à fond. Ah, j'ai été déconnecté de Twitch chat apparemment. C'est-y part. On est encore sur le live. Oh, attends. What the fracadabrake? Comme tu dis. C'est toi. Oh bah, elle est enfermée dans le même truc. Kali, arrête, j'ai pas le temps. Détachez-moi vite, nous devons l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard ou... Il est déjà trop tard, Sandra. Sûr que c'est lui. Salutations élèves, c'est un plaisir de vous revoir. Je dois avouer... Avouer ? Non, je dois avouer que je m'attendais pas à ce que cela arrive si tôt. Vous devez avoir beaucoup de mal à comprendre tout ce qui se passe, mais ne vous inquiétez pas, votre présence n'est qu'un petit élément inattendu dans un plan calculé au millimètre. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans la nouvelle Escape Academy, le plus efficace de tous les sites de formation d'experts en évasion. Pendant que tout le monde était obnubilé par le retour d'Elbarns, j'ai travaillé d'arrache-pied sur la nouvelle école. Maintenant que vous avez gâché ma surprise, j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous laisser partir. Mais réjouissez-vous, vous avez apporté une contribution essentielle lors de la phase de test de mon nouvel établissement, tout comme votre directrice. Ne l'écoutez pas, Quinty a perdu les pétales. Je me contente d'exécuter mon programme, Sandra. Créer les meilleurs experts en évasion, quoi qu'il en coûte. Keep your eyes open. We'll make it out of here. Élève 00. Hurry! We can make it out of here. The head... Alors. Dortoir de confinement, c'est là que Quinty voulait mettre tout le monde. What the fuck again? Bon, les escaliers là... Step forward. Please try your hardest. Otherwise, the data will be meaningless. Oula. N'essayez pas de vous évader. Qu'est-ce qui se passe? Les lunettes de la Directeur doyenne. Quinty. Directeur L. Hill. Directrice Solange. Directeur Windsor. Code, ouais. Alors attends, je pense que je peux t'aider. L0. Attention, seul un NAS est capable d'évasion. On peut passer le test. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ah, regarde, c'est le code. Bon, ok. 0, 10, 25, 15. La gazette de l'évasion. Elbarns accusé d'avoir amassé une réserve de batteries secrètes lors d'une réunion du conseil académique. Tu veux pas m'aider, non? Bah, deux secondes. J'étais en train de le faire. Mais je sais pas où... Ah, t'es là. Mais je suis dans d'autres placards. Ok. Ah, tu vois pas? Ah non, je vois pas. Ah, il te manque un truc. Moi je vois 0, 10, 25, 15. Alors 0, 10 à droite. Je vois de la peinture partout en fait. Alors attends. 10 à droite. 10. 25 à gauche. Ouais, je le vois sur ton écran. Et 15 à droite. C'est marrant. Ah, tu vois, c'est comme le poison. Alors, on a une feuille d'examen. Une broche de la doyenne. Bien joué. Ah oui, parce que t'as les lunettes sur toi, c'est pour ça que tu peux voir. L'Escape Academy a changé de direction. Les élèves qui réussiront
mon examen auront le privilège de rester en vie. Il faut devez hurler, merci de respecter la procédure. Étape 1. Utiliser, insérer la feuille d'examen. Inspecter. ACE. Attention, un ACE. Ok. Et je valide. Oh, bien joué! Excellent. Your new purpose begins now. Mais c'est Portal le machin en haut. Bien joué, Sac. Alors, nouvelle énigme. On a des carrés. Bleu, vert, rouge, jaune. Oh non, c'est un Simon. Bleu, vert, rouge, jaune. Alors. Bleu, vert. Vide, plein, vide, plein, vide. Il y a une feuille d'examen à insérer à nouveau. Ouais. J'ai la feuille d'examen. Si tu veux, j'ai le badge de la doyenne. L'établissement entraînera une disqualification. Je t'ai donné le badge. Ils sont en PLS. Alors, il faut qu'on trouve une batterie 12 volts. J'ai trouvé une batterie 12 volts. La feuille d'examen à rentrer ? Bah en fait, il faut remplir les, il faut trouver les lettres avant de la rentrer. Mais est-ce que tu peux remettre la feuille d'examen avant ? Oui, mais ça sert à rien, puisqu'il faut qu'on ait la résolution du truc. C'est pour taper n'importe quoi. Oui, mais tu la laisses dedans. Logique. Elle est mise. Bleu, vert, rouge, jaune. Bleu. Plein, vide, plein, vide, plein. Attends, bleu, plein, vide, plein, vide, plein, vert, hein. Rouge, jaune. Mais arrête de me pousser ! Ah. C'est quoi, je t'ai pas poussé ? Et si tu m'as poussé ? Ah, c'est bon, pousse-toi. Je suis en train de résoudre l'énigme. Jaune, rouge, vert... Si tu comprends comment ça marche ? Je sais même pas comment on active les trucs. Il faut suivre. Jaune. Il n'y a pas de rouge. Alors, c'était d'ici, alors. Jaune, rouge... Vert, rouge, jaune. Ça. A, D. Et après, d'ici, il faut que je fasse... Jaune, bleu, vert, rouge. Alors jaune, bleu, vert et rouge. Ça donne rien, c'est bizarre. Et vert. Jaune, bleu, vert, rouge, vert. Ah bah donc c'est là. Donc normalement vert, c'est jaune, A. Ah, bleu. Vert, jaune, non. Bleu, jaune, rouge, bleu. Bleu. Ok. Rouge, bleu. Rouge, violet. Rouge. Violet. Rouge, bleu, ok. Ah, c'est bon. S, sortir. Ah, sortir. Rien à dire. A, B, C. D, E. Qu'est-ce qui... Non, appuie pas sur les trucs. Rien appuyé, ça me dit que ils sont corrects. A, B, C, D, E. Bah, faut tout valider alors. Ah, c'est pas ça. A, B, E, D, C. A, B. A, B, E, D, C. E, D, ok. Non, c'est pas ça. Alors. E, D, C, A, B. Ça dépend dans quel ordre c'est fait en fait. E, D, C, A, B. Oui, mais on s'en fout, c'est sur la feuille de réponse. Il faut valider A, B, C, D, E. Qu'est-ce qui a pas été validé ? EDC, tourne-toi s'il te plaît. Ah, mais les validés, c'est les blancs. ABCED alors. Mais. ABCED. Oui, mais c'est toute la ligne, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave, je vais les regarder parce que. Essayez ABCED ou pas ? Mais. C'est ceux qui crachent de la fumée pour moi. Oui, c'est toute la feuille, je viens de te le dire, ça ne fonctionne pas. ABCED. Mais t'es con, tu le fais exprès, c'est toute la feuille, c'est une feuille de réponse. J'ai déjà essayé de tout griser, ça ne marche pas. Ah. Ah, t'es bête. Ah merde, je viens de comprendre. Bah oui, mais j'étais pas de ce côté-là, moi. Oh. Alors, B. B, C. B, C, D. Essaye B, C, D. Ah, bien joué. Comment t'as trouvé ? C'est ça où il y avait un... Plein. Oh, ok. Ouais. Écoute quand je te dis... T'as le badge, il sert toi à quoi aussi, écoute quand je te dis... Toi, écoute quand je te dis, j'ai dit d'abord. On a... j'avais pas toutes les lignes parce que j'avais pas vu de là où c'était. J'ai une batterie 12 volts. Ah, les places, c'est ça. Ok, il y en a qui se déplacent, d'autres non. Allez, ah oui, d'accord, ok. C'est parti. On peut les échanger n'importe comment, genre non, comme mais ça. Non, mais il faut faire dans l'ordre. Mais touche à ton cul. Voilà, c'est pas très compliqué. Oui, bah c'est juste compliqué en même temps, en fait, donc c'est toi, touche bah, à ouais. ton cul. Je sais pas ce que t'as fait, mais. Mais en fait, faut que t'arrêtes de toucher.
C'est toi, faut que t'arrêtes de toucher, tu touches en même temps. J'en mettais un, tiens, mets l'autre. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais... Arrête! Pourquoi tu attrapes celui d'en bas? Pourquoi t'attrapes le... Mais non! Mais je touche à rien, là, c'est toi qui fais tout seul comme un con. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Le A, c'est ok. Le C et le B, c'est pas bon, donc tu mets ADE. On teste ADE et puis on aura trouvé un 2-2. Pousse-toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi t'inquiète tu pas, bah. Je gère. Mais non, mais ça fait aucun sens, c'est pas un schéma. Allez, j'ai gagné, c'est bon. Y'a pas de schéma. Je... Mais t'as rien fait du tout, tais-toi donc. Arrête un peu, j'ai trouvé la solution parce que le A c'était en vert, le B et le C. Y'avait pas d'électricité. Oui, et ben j'ai piffé. Et j'ai piffé et c'est passé, qu'est-ce que tu me casses la tête? Mais comment t'as pu piffer? Non, mais je viens de mettre tes mains à ton cul. Y'avait pas d'électricité dedans. C'est pas grave, lâche l'affaire, moi j'ai capté. Je sais pas ce que t'as vu sur ton écran, mais moi je voyais des trucs qui étaient. Oui, bah t'as peut-être pas vu, ça a peut-être bloqué. Ah! Il reste 37 minutes avant l'examen. Quoi qu'il en soit, quand j'ai mis le courant dans les trois lettres, il y avait le A qui était vert et les deux autres qui étaient blancs. Donc j'ai piffé en déduisant... Laisse-moi finir de parler. J'en ai déduit qu'en piffant les deux autres lettres, qu'elles pouvaient être vertes et sinon on aurait testé l'un des deux et puis c'était réglé. Oui, mais moi ce que je te dis, c'est que moi j'avais pas vu que ça s'allumait de ton côté. J'ai capté, j'ai eu des bugs aussi à deux. Alors, B, A... A en morse. A c'est en morse, c'est point A. Eux. Défense d'entrée. Ah c'est bon, j'ai capté. Il faut remettre chaque pylône sur la bonne lettre avec le code morse de la lumière. Donc A c'est un point et un long. Là c'est un long c'est et deux celui-là. Courts. Là j'ai un long et deux courts, c'est D. Le D. Et il est là. Il est où le D? Attends, je pousse celui-là, je fais passer le D, c'est le grand. Tu veux le mettre où le D? Pas sur le D. Là. Ok. Et. Un long en cours, un long en cours. Un long en cours, c'est C. Et bah, c'est lequel C, que c'est tu veux le tout petit. Ok, alors tu peux le mettre C, il est où? Il est où? Il est là-haut? Non. Attends. E, je vois pas le C. Là, en haut à droite. Ah, ok, cool. Non. Redescends. À gauche. En haut. Voilà. Ah, merci. Pas de soucis. Bah, dis-moi si t'arrives à les faire, mais... Alors, un long et trois courts, c'est B. Il est là, B, il va là. Ah, pardon, Dodo. Je t'ai coupé, je t'ai pas vu. Ça, ce serait E, celui-là? Le grand, là? Ouais, le grand, c'est E. Tu peux me dire où est la lettre E, s'il te plaît? Tout en bas, à droite. Ok, merci. Voilà, là, tu descends et t'arrives. Du coup, il reste plus que le dernier, normalement. Ah. Attends, on vérifie que ce soit le bon. Oupsi. Bah, de toute façon, il n'y a pas à vérifier, on va le caler dessus, on verra bien. Bien joué. Le A, B, alors. Alors, E-O, B-O. Non, c'est quand c'est plein. B, c'est la bonne réponse. Alors, y a B. B, D. Bah, juste B et D, en fait, sur cette réponse-là. Ouais, c'est ça. Bien joué. So far, so good. Bien joué. Bonjour. Alors, voilà. Oh là. Oui, un réservoir. Quels sont les réservoirs qui contiennent de l'eau? R, Q, C, O. Hop, on va mettre la feuille. Obéissance égale excellence. Okay. Ah, qui a-t-il dans les réservoirs, peut-être? Fluor. Ah, ok, on peut les ramasser. Fluor. H2O, faut que ce soit blanc. Ah, c'est des couleurs, regarde à droite. Qu'est-ce que ça fait si on relie des réservoirs? Bah, il faut résoudre l'énigme. Qu'y a-t-il dans les réservoirs? Si c'est jaune, c'est du fluor. Si c'est bleu, c'est de l'oxyde de cobalt. Si c'est rouge, c'est, que jaune, c'est du biome. Et faut blanc, c'est... Oui, mais t'écoutes pas ce que je te dis.
Non, si brome, c'est bleu, rouge, ou jaune, l'eau, ou... c'est blanc, et ensuite à droite, t'as des, ça, où t'as des oui, couleurs. Ça, elle est où et oui, t'as des putains de tableaux, bah voilà. En fait, on tout ce qui est rouge, il y a de l'H2O dedans. Comment tu sais ? Il faut regarder le code couleur. BR2, oui, mais on a compris que BR2, c'est rouge, mais... Ben, il faut faire des tests, j'ai l'impression. Suivant les couleurs, ça va nous dire ce qu'il y a dedans. C'est ça, c'est là que ça va nous dire, voilà. C'est ce que je te demandais, c'est est-ce que tu sais où va la D est la, plus la E égale jaune. Ah ben on va tout marquer. Vas-y, change les bouteilles s'il te plaît. Donc D plus E égale jaune, ça veut dire que c'est FE. On va faire des tests. On va faire ça. Ouais, vas-y, garde les bouteilles toi. Et fais les tests et j'écris. Mets 2, mets A et B, A, etc. E et puis on va déduire. Vas-y, vas-y, fais A plus B. Ah non, D plus fais A. Fais A plus B, fais A plus B, te casse pas la tête, fais ce que je te dis s'il te plaît. Là, s'il faut tester. Oui, mais c'est pas logique. Si, faut si. Tester, mais pas séparément. Orange. Donc orange, c'est... C'est rien du tout orange. Vas-y, tu peux les enlever. Il fais A plus une autre lettre. A, mais c'est pas grave, tu fais A plus C. On voit ce qu'il y a dedans. En fait, il faut qu'il y ait du blanc pour qu'on sache lesquelles de lettres ont de l'eau. Violet. Violet, c'est quoi? Violet, c'est en haut. C'est BR plus COD. Donc, normalement, B plus C, A plus C, il n'y a pas d'eau dedans. Tu vois ce que je veux dire? A plus C égale violet. C'est noté en haut, en plus. Ouais, ouais, je sais. Vas-y, mets le A plus D. A plus D, c'est rouge. Ah, donc il peut y avoir de l'eau. Rouge, c'est bon signe. A plus D égale rouge. Où est-ce que ça te dit déjà qu'il y a de l'eau à droite, derrière toi. Là, 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 à droite, à droite, à droite, à droite. L'eau, c'est blanc. À droite. Oh, H2O. Ah, là, ton tableau, à droite. À droite, c'est gauche, ça. J'ai compris. Voilà. J'ai compris. Je peux regarder. Vas-y, fais A plus E. Orange. Mais c'est marqué orange. Orange. Oui, bah j'ai pas vu en haut. Donc dans le A, il n'y a pas d'eau. Ah non, tu fais d'autres lettres. Hein. B plus, tu fais quoi? C plus E. Vert, on s'en fout. Faut que ce soit au moins rouge. Ah ouais, mais rouge et rouge, ça peut être rouge aussi. C, B. Attends. C'était vert? Non, C plus E, c'était fait, donc faut continuer sur E au lieu de... On aurait dû faire les lettres dans l'ordre, parce que... Non, mais c'est ce que je te dis, mais tu sais pas tester. C'est toi qui viens de me refiler les bonbonnes? Bah vas-y, barre-toi, mais moi je peux pas tout faire tout seul, en fait, si on joue à deux. D plus E, tu l'as déjà fait. C'est pas comme ça qu'on teste un truc. Non, je reprends à zéro, putain. Non, allez, prends les bonbonnes, parce que là, t'es en train de t'énerver. Allez, c'est bon. Mais parce que t'es débile, en fait, excuse-moi, mais tu sais pas tester les trucs. C'est toi qui es débile. Commencer par AB, AC, A machin. Allez, A stop, truc. Stop, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Non. Vert. B plus C, c'est vert. B plus D, c'est quoi? C'est jaune. On s'en fout. Encore jaune. En fait, là-dedans, il faut trouver le blanc. Sans déconner. C'est A, c'est fait. C'est E, c'est... A, B, C. Ça, c'est bleu. C'est D. C'est E, c'est vert. Donc, en fait, ce qui est rouge, il y a A plus D. C'est rouge. Alors on fait A, B, C, D on plus A, A, c'est A, fait. A, C, A, D, A, oui, E. Oui. On a fait tous les A. On a fait D, C, D, E. On n'a pas fait D, E. Donc on va faire D plus E. On a fait D, E. D plus E, c'est quoi? C'est jaune. Ah oui, c'est un que t'as fait au début. Reprends les A. On reprend tout de toute façon. Faut tout refaire. Oui, A, B, C, D, E, c'est fait déjà. Je suis en train de les écrire, sac.
Alors. C'était lequel qui était rouge et lequel qui était blanc? T'as trouvé un blanc ou pas? Non, il n'y a pas de blanc, non. T'écoutes pas. Hein. Donc t'as trouvé un rouge? Oui. Il y avait combien de rouges sur ABCDE? 2 secondes, je suis en train de les trier. Alors, ok. Je peux les prendre en attendant si tu les regardes tes notes? Alors, AB c'est orange, AC c'est violet, AD c'est rouge. En fait, je pense que c'est AD, hein. Ah, bordel de merde, c'est pas ça. On a fait AB, AC, AD, AE. BA c'est fait, BC. AE, on l'a fait, t'es sûr? Oui, on l'a fait, BE c'est jaune. AE, pas BE. Alors, on a tout fait, hein. C'est quoi AE en couleur? C'est notre, t'as noté quoi? AE c'est orange. Ok. Il n'y a pas d'orange. BA c'est quoi? BA c'est orange. BC c'est quoi? BC c'est vert. Et D? Du jaune. Et D quoi? La BD c'est quoi? BD c'est. Attends. BD c'est jaune. Et BE? Et BE c'est jaune. Du coup CA, CB, CA c'est violet. D. CD c'est quoi? CD c'est bleu. Et c'est E? Salut Kibi! Et c'est E? Attends, 2 secondes. CE c'est vert. Salut Kibi! Et DBD c'est pas ça. Putain, mais fais chier parce que je peux te les prendre et les refaire. Mais tu les as toutes déjà. Regarde ton inventaire. Non, il me faut les couleurs. Non, mais c'est pas. Ah, ok. Mais tu les as tous. Arrête de me prendre pour un débile. Mais moi, il faudrait. J'aurais dû prendre les notes moi. J'ai une mémoire visuelle. J'ai pas une mémoire orale. Ok, donc déjà AB, c'est jaune. C'est orange. C'est pas jaune. Pardon. Violet, c'est rouge et. En fait, on a tout fait. Assez violet. Je refais, moi, parce que j'ai besoin de noter pour comprendre. Ah, vas-y, vas-y. C'est orange. AD. C'est rouge. AD, c'est bien. C'était le seul rouge qu'on avait, hein. Mais AD tout seul ne fonctionne pas. Oui, je sais, mais. Mais dans le rouge, il peut y avoir aussi rouge et rouge, donc c'est là où c'est un peu chiant. Oui, mais c'est pour ça. Bah, de toute façon, on n'a pas un deuxième rouge. Si on avait un deuxième rouge, on serait bien. Et A, je regarde si dans un autre sens ça fonctionne. Ok. C'est pareil, je pense. Et A. BC vert. DD. Jaune. C plus D, c'est jaune. Et E. Et E. Attends, moi, les couleurs, ça m'a jamais... La consommation de produits chimiques mortels entraînera une expulsion. Et donc A et B, c'est fait. Et D, c'est bleu. C'est E, c'est vert. Faut le code couleur, faut savoir ce que dans quelle couleur il y a quoi. Du coup il reste D et seulement E. C'est E. Jaune. Alors. En fait, le truc, c'est qu'il y a un des deux oranges, qui doit putain, être rouge quelque part. Du chat. D'accord, c'est bon. Orange, c'est quoi? Orange, c'est rouge. Attends. Et vert. Rouge et jaune, dodo. Ah. AD. C'est seulement A. C'est A. Je cherche pas, c'est A. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, je me suis dit que le rouge sans eau, ça pouvait être bon. Mais que du coup, ça pouvait croiser orange si on mettait du jaune avec. Blanc et rouge, ça fait orange, on est d'accord.
Donc dans A ou dans E. Ça fait violet, ça fait rose. C'est quoi qui fait orange? C'est rouge et jaune? Jaune et rouge, oui. Alors, rouge et jaune, ça fait orange. Donc c'est-à-dire dans le A et le E, il y a rouge et jaune. On est d'accord? Oui, c'est ça. A et E, il y a forcément du rouge et du jaune. Dans ce qui fait rouge, dans A et D, ouais, dans A et D, il y a rouge. Et dans orange, c'est quoi? Orange, c'est blanc et jaune. Il y a A et B aussi qui fait du orange. Donc A, c'est sûr que c'est dedans. C'est A et B. A, B, E? C'est pas ça. Quoi? AB, ça fait du orange? Bah AB, ça fait orange, donc de orange. ABE. Oui, non, j'avais pas compris. Le orange, c'est bien du rouge, oui, mais et du AD jaune. Et le D, attends, le D. La question, elle est sur le D. C et D, ça fait bleu. Il y a rien de rouge qui fait bleu. Et DE, ça fait jaune. Oh putain, c'est compliqué. DE, ça fait jaune. Et A et C et D, ça fait bleu. C'est super compliqué. Le D, il représente quoi? Bleu et jaune, ça donne du vert. Ouais, il est là, le bleu et jaune, tu vois, c'est ce code couleur. Nous, en fait, on essaie de définir dans quelle bonbonne il peut y avoir du blanc. La clé, c'est le D, je pense. Non, D et C. D et C, tu veux que j'essaye? Bleu. Non, mais c'est bleu. Le truc, c'est représenter ce que fait le D exactement. J'ai essayé aucune. Parce que moi, jaune... Le D, on a du jaune, vert, on a du jaune, on a du rouge. Le D, il fait rouge quand il est mélangé avec du blanc. Avec, avec du A. A plus D, ça fait rouge. Donc c'est soit A, c'est rouge aussi. C'est bien le problème. Putain, je bite rien. C'est bien le problème. Quelle couleur fait du jaune, du bleu et du rouge? Quelle bouteille fait du jaune, du bleu et du rouge, c'est ça? Quelle couleur peut faire du jaune, du bleu et du rouge? C'est ça le problème. Mais non, le jaune, c'est la couleur de base. Jaune. Non, oui, mais le D, il fait bleu, jaune et rouge. Même en si fait, c'est on a base, les couleurs primaires à gauche. Couleurs... Non, c'est pas des couleurs primaires, mais c'est... Ce que je veux dire, c'est quelle couleur peut faire du bleu, du jaune et du rouge? Parce que D, il fait les trois. Ouais, c'est peut-être que D tout seul? Non, on a déjà testé. Bleu, jaune... Bleu et jaune, c'est vert et rouge. Oh, il fait mal à la tête, lui. Hein. Ouais, dans quelle bonbonne on essaie de En fait, on a des bonbonnes de A à E et on essaie de définir dans quelle bonbonne il y a la couleur blanche. Sachant que blanc et rouge, ça fait rouge. Ça veut dire que blanc et jaune, ça fait jaune. C'est juste D. J'ai déjà essayé juste D, ça marche pas. Juste A. C'est déjà fait aussi. Bah, A et D. Ça marche pas. Non, on l'a déjà fait, c'était la première solution A et D. A, B, C, D, E. Le blanc, c'est toutes t'as les couleurs. Le bah, calepin. Ouais. Quel calepin? Je veux bien que tu le remettes, s'il te plaît. C'est pas un t'as calepin. Enlevé le papier. T'as enlevé le papier. Ah, excuse-moi. Bah non, il est en train de réimprimer le papier là, parce qu'on a fait une faute. Ah, ok. Tu cliques sur les lettres juste pour enlever, et après tu peux les remettre. Ça coche et ça décoche. Ok, en fait, il faut peut-être mettre juste tout ce qui ne contient pas d'eau, du coup. Pourquoi mais non, est-ce qu'on puisque... cherche de l'eau? Quels sont les réservoirs qui contiennent l'eau? C'est marqué au-dessus de ta tête. J'ai essayé aucun, okay. Ça marche pas. La lumière de toutes les couleurs. Ouais, mais en fait, si tu veux, on a mélangé toutes les bouteilles. A, B, C, D, E. Et en fait, on a trouvé plein de couleurs. Il faut juste qu'on trouve à quoi ça correspond pour savoir où il peut y avoir du blanc. Jaune. Attends. D et E, égale jaune. A, E. Vas-y, essaye. Hein. Je crois que j'ai déjà essayé à E. Il se fout de ta gueule en plus. Hein. En fait, il y a du jaune. Donc ça pourrait être bon avec du blanc. Je vous montre un peu ce qu'on a trouvé. Bon, jaune et bleu, ça fait vert. Donc BC, c'est jaune plus bleu. Le bleu, c'est C. Voilà, ça c'est ce qu'on a trouvé. En fait, il faut identifier chaque couleur. Attends. Ah regarde, c'est marqué sur le live. C'est rouge. Attends. Ou alors on s'est gouré, mais... Non, mais oui, toi t'as mis les combinaisons. Moi je vais essayer d'identifier chaque couleur différemment. Le A, c'est du rouge. Rouge plus quoi égale violet? Tous les verts.
Rouge plus... Bah rouge plus bleu. Ah putain, mais t'as raison, bleu, donc attends, le C c'est violet. J'essaie d'identifier le bleu. Non, t'as raison, bien joué. Si le A c'est rouge, si le A égale rouge... C'est bleu. Le C c'est bleu. Ça alors, veut dire... Alors le B c'est quoi? Bah c'est bleu plus quelque chose égale vert. Ben c'est bleu plus jaune. Attends. Donc le B bah, c'est le jaune. Bleu, c'est toujours vert, mais le... Attends, non. Si. Si c'est ça, ça t'as B... raison. Le oui, B mais c'est le jaune. E, c'est jaune aussi. Le E c'est quoi? C'est bah jaune B plus aussi, E. Bah non, attends. B plus E égale jaune. Donc c'est peut-être que le E c'est blanc. Si le E c'est blanc. Salut Karma. Le D c'est jaune. Attends, on identifie chacune. Le A c'est sûr c'est rouge, le C c'est bleu. Le B. Attends, mais c'est pas possible. Le B. Ah, attends, chut. Deux secondes, laisse-moi parler. A plus B égale orange. Comme le A c'est forcément rouge, le B c'est forcément jaune. Donc B c'est jaune. Mm-hmm. Quoi qu'il arrive. Le C. Rouge B plus C égale vert. B plus. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est deux couleurs. Attends, laisse-moi. Mais je réponds sur le live, ça va aller, non? Ah, pardon, excuse-moi. Oh, ouais. Tu sais quoi, j'ai te coupé le micro, toi. Ah, B, C, D. Le D, c'est quoi? D plus E égale jaune. Le C, c'est quoi? C, c'est bleu. Donc si C, c'est bleu. C'est jaune parce que ça va Karma. Et donc le D c'est du blanc. Donc ce serait D tout seul, mais on l'a essayé, ça marche pas. Le violet c'est A et C. Le violet c'est A et C. C'est rouge alors. Non, c'est pas possible. Ah bah rouge plus bleu égale violet. Rouge plus blanc égale attends, violet. Attends, A plus B c'est non. A plus non, B c'est orange. Laisse-moi parler. A plus B c'est orange, donc rouge plus jaune égale orange, ok. Violet c'est A plus C donc rouge non. Plus oui, mais qui contient du blanc. Tu me laisses pas finir. C'est chiant. J'ai pas parlé. A plus B égale orange, ok. Tu me dis, tu me laisses... Donc, rouge plus... Rouge plus jaune, c'est orange. A plus C, c'est violet. Donc, ça ferait rouge plus bleu. A plus D, donc c'est soit rouge plus rouge, soit rouge blanc. Donc, en gros, le A, ça peut être aussi blanc. Et le... Le D, c'est ce qu'on sait pas. Le D, ce serait peut-être blanc. Ou rouge. Ensuite, A plus E, ça fait orange. Donc, ça ferait rouge plus jaune. Le E, ce serait jaune. Ok. B plus C, ça fait vert. Donc, B, c'est quoi? B, c'est jaune. Et C, c'est bleu. Donc, ça fait bien du vert. B plus D, ça fait jaune. Donc B plus D, c'est jaune aussi. Jaune ou blanc. Essaye la combinaison A, D, A, E, D. André, mais non, on l'a déjà fait A, E, D. Oh fuck! C'est une des premières qu'on avait faites. Alors attends, après. D plus E égale jaune. Donc, faut qu'on identifie clairement le D. On soit sûr de ce qu'on identifie. Bah moi j'ai jaune. Là on a parlé un peu dans le vide. Pour moi c'est jaune aussi, mais le problème de D. C'est déjà fait Kibito, ça marche pas. B plus D jaune, B plus D jaune. C'est qu'il y a un D qui donne du rouge, c'est pas bon pour le jaune, c'est pas jaune. En fait le problème c'est qu'il y a un D qui donne du rouge et je comprends pas pourquoi. Il y a un D qui donne du rouge. AD ça fait rouge donc. Bah remets AD pour être sûr, on s'est peut-être gouré aussi dans les non, trucs. Non. En fait, il faut qu'on identifie rouge. Les bonbonnes qui ont du blanc. Ah, c'est ça, A plus D ça fait bien en rouge. Même temps, faut pas suivre un code couleur précis bah, parce que c'est si, pas c'est de la mélangé. Couleur, c'est de la chimie. Oui, mais c'est de la chimie. C'est oh, pas mais de la tu couleur, nous emmerdes avec ta chimie. Garde le code couleur, la chimie c'est fier, pour broder. Faut pas se fier à la couleur. Mais si. Pas seulement en fait. Arrête un peu parce que là. Sinon, A plus D, ça pourrait pas faire rouge. D c'est jaune, ça pourrait pas faire rouge. Donc faut pas se fier entièrement à la couleur. Je pense que la réponse est dans le violet quelque part. Ah, je sais pas.
été, c'est un bleu. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? C'est quoi qu'on doit définir qu'on n'arrive pas? L'eau. Non, mais abruti. Quel... Putain, mais t'es con. Évidemment que c'est l'eau, mais... On n'a pas défini d'idée. Bah c'est vas-y, dès tout seul, nique sa mère. Hein. Ah bah voilà, super. Putain, ça me saoule. Mais tu m'as dit que tu l'avais fait, mais... Bah j'ai cru que je l'avais fait, hein. J'y crois pas, tout ça pour ça. Je t'ai demandé tout à l'heure, quand j'étais sûr que c'était du blanc. Tu aller où? Je sais pas. Ah, attends, la batterie. Dans un dortoir de confinement. Il faut mettre la batterie quelque part, non? Alors attends, j'ai les lunettes. Pauvre Quanti, il vous a donné tout ce dont vous aviez besoin pour le vaincre et il ne s'en rend même pas compte. Ok. Écrit sur les dortoirs. Ah ouais, j'ai écran. J'ai vu ton écran et en fait, on a une batterie de 12 volts qui est vide. Et il faudrait qu'on la charge, je pense. Les câbles vont où? Par contre, elle est où là? Bah, il faut charger la batterie de 12 volts. J'ai une batterie de 12 volts vide qu'on a trouvée au début. Faut revenir à la fin alors. De trouver des c'est bon, trouvé. On peut se battre ensemble. J'ai la batterie chargée, c'était sur un des pylônes électriques de la zone 2. Donc maintenant, il faut qu'on utilise cette batterie quelque part. C'est quoi la question exacte, s'il vous plaît, j'étais réussi. Ah bah c'est bon, on a trouvé, excuse-moi, j'ai pas lu. On cherchait à définir une bonbonne qui avait la couleur blanche et en fait ça faisait une demi-heure qu'on avait la réponse. Enfin, Sakel avait la réponse et moi je suis un connard. En résumé. T'es où? Ah, t'es sur le côté, on peut y aller sur le côté? Bah, je suppose qu'on va aller voir dans un... Je suis pas sur le côté, moi. Mais il y avait pas des machines ou je sais pas quoi que t'étais en train de voir? En fait, je sais pas ce que c'était ta batterie, donc... Moi, j'ai une broche, mais pas d'ouverture possible. Ah, attends, et le badge, tu peux en faire quoi? J'ai une batterie chargée, moi. J'ai pas de badge. Si, t'as le badge de la doyenne, arrête d'être débile. Une broche, c'est pas un badge. Oui, mais me prends pas pour un et con. Et je peux rien en faire, elle se rend nulle part. Si, t'as essayé dans ton cul. Et on peut rien faire là. Et l'autre elle se marre. Je pense qu'on a raté un truc hein. Sans déconner. Il y a la broche et la batterie chargée. On peut pas lui coller la batterie à ce trou de balle. J'essaie de trouver mes indices, on peut se battre ensemble, oui. Non merci. Dans les casiers on a quoi? Ah si, je sais qu'il y avait un truc chelou. Attends, à un endroit, mais je sais pas comment on y accède. Alors, je sais pas si on peut y accéder. En fait, t'as les lunettes, donc il y a que toi qui peux voir les trucs. Regarde hein. Le défense d'entrée là-haut. Mais je ah, vois pas bien joué. Ah, je sais. Il y avait une grille à un moment qui était fermée à clé, on pouvait pas y aller. Est-ce qu'avec la batterie... Ah. Avec la broche. Ouvre la grille. Quelle avec la broche. Mais quelle grille? Tu m'as pas dit qu'il y avait une zone grille. Zone 2, zone 2. Non, zone 3. Ah. Putain, doudou, sérieux! Mais non, mais y'a pas doudou sérieux là, arrête d'être bête. Voilà. Tu m'as pas parlé de grille. Stay on target. Proceed. Something the matter, Quanti? Eh ben allez, faites péter la batterie. Ah. No. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai mouillé. C'est bon, j'ai mis la batterie. Caution! I told you this was the wrong course of action. Exit the core immediately. Ah non. Ne pas... Ne pas... Entrer. C'était entrer, non? Bah, essaye. Z ou R? Ne pas, mais regarde, c'est beaucoup trop grand pour entrer, là. Ah oui. Alors, regarde la grille que t'avais trouvée, j'ai pas les lunettes, moi, je peux pas le faire. Mais la grille que j'ai trouvée, c'est ce qui menait là? J'ai cliqué dessus et je me suis tapé là. Je ne peux pas l'atteindre d'ici, est-ce qu'il y a un autre moyen de monter? C'est là la grille hein. Mais non, mais dehors. Ne pas déconnecter peut-être dehors. La grille dehors que t'as vu avec tes lunettes. Où c'était marqué ne pas justement, il y avait une grille. Est-ce que tu peux ressortir en courant? Clique sur le joystick pour courir.
Attends, je ressors par où déjà? Par là où t'es rentré? Poudoum, psh. Où est-ce que j'ai vu une grille? Je sais pas, avance. Là, à gauche, à gauche, à gauche. Non, à gauche. Derrière toi. Putain, elle est con. Derrière, la salle derrière toi. Attends, la salle quoi, derrière toi. La putain de salle derrière toi. Si, on est allé là. La salle derrière toi. Écoute-moi, mais c'est terrible okay, ça. Gueule. Non, toi, ta gueule. Va mais là. À gauche. Suis, à gauche. Oh putain, mes trois jours, ça me fane. À droite maintenant. À en gauche. Haut. En haut à droite. En haut à droite. Voilà, mais défense d'entrée. Mais ça, ça a rien à voir. Mais c'est pas un truc qui ressemble à ça? Ne pas quoi? Je sais pas comment je peux y aller aux défenses d'entrée. C'est toujours le même problème. Il me fait perdre du temps pour rien. Tu vois bien que le mot il est beaucoup plus long que entrer. T'as déjà essayé entrer. Oh, je peux tout appuyer, c'est la merde. Oh putain, je sais. Oh, je sais pas. Un pendu là. Non, j'ai trouvé, c'est la feuille qui est là. C'est la feuille de notes. C'est bon, j'ai trouvé, sac. C'est la feuille de réponse. Ne pas auto-détruire. J'ai trouvé. C'est ça, ne pas auto-détruire. Let's go. Tiens, il y avait bien un mot. Hein. Maintenant, on peut grimper sur les câbles, non? Hein? Non, mais D. C'est D qu'il faut mettre. Pas d'eau. J'ai plus D. Ah, il faut aller chercher D. Go, 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 go. On est trop cons. Mais de toute façon, ça me l'a déjà fait fumer, regarde. Mais c'est pas la bonne bouteille. Je sais, mais est-ce qu'on peut récupérer... C'est pas la bonne bouteille. Fais-moi confiance, ça, que c'est pas la bonne bouteille. Je récupère bah, si D parce que D, on a trouvé... Oui, ah, c'est bon, je suis d'accord, mais je l'avais plus. T'as trouvé la solution. J'arrive, j'arrive. Chose. Je cours ma vie, je cours ma vie. Ne pas mettre d'eau ou d'autres liquides. Courez, il reste 6 minutes. Avait... On peut le one-shot. Courez petit, courez, hop, hop. Ah, c'est déjà HS. Hein? Bah oui. Ah, oh, merde. Ou d'autres liquides, hein. Ce terminal est déjà HS. Bah, on a tout mis HS. Ne pas s'auto-détruire, non, c'est un bon que... conseil. Ah, on retourne à l'extérieur, dehors, peut-être. Ouais. Non, c'est par où dehors? C'est par là. Ouais. J'arrête pas de dire ouais, ouais. On peut le faire. Donc là, on l'a mis capoute le PC là. Le PC on Master Race. Par là, on s'est c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Rien. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit qu'il s'en fout. Ça n'a pas servi à grand chose. Ah. You may have met your match, Quandy. Oh, mais ta gueule, toi. Y'a pas une salle qui s'est éteinte de l'humide du piette là? Non. Mais on l'a bien fumé ce trou de balle. Défense d'entrée. Est-ce qu'il faut revisiter les... Alors. On l'a fumé lui. 1, 2, 3. Il nous manque un indice là, il nous manque un truc. Non, il y a un câble en fait. Mais il faut passer par en haut. Hein. Ouais, mais moi je sais toujours pas comment accéder. Je vais retourner là où je voyais. Essaye de les ordonner pour que ça fasse des escaliers. Ah, il y a une échelle là. Je pense pas que tu puisses y. On va essayer. De toute façon, c'est la seule solution qui nous reste. J'arrive à t'aider. Il reste 5 minutes même pas. Il y a une échelle ? Il y a une échelle dans la pièce centrale, mais elle est trop haute. Et là, en fait, les câbles, on peut pas. Il y a un terminal. Donc c'est forcément moi, par ce ça, que t'as trouvé. Parce qu'ils sont ordonnés en taille, donc ça serait plausible. Mais le problème, c'est que comment tu les mets? J'ai pensé tout à l'heure, après je me suis dit, mais c'est un merdier, tu peux pas les... Ah ouais, si tu peux, en fait. Bon, bah, si on peut, on fait, hein. Oui, mais en taille pour monter de l'autre côté. C'est bon, j'ai trouvé. Il est où le plus grand? Ah mais c'est bon, ils étaient bons, là. Non, c'est pas dans le sens, c'est pour monter dessus.
C'est pas pour faire de la déco, ça, que t'es pas dans, merde, dans, pas dans des côté, échos, là. Putain, je suis con. Mais oh si, putain, t'as bloqué un truc, j'y crois pas. Je croyais que c'était là qu'il fallait monter. Mais je peux pas le grave, prendre. T'inquiète. Ah, mais c'est toi qui saoule. J'ai pas vu, j'ai mis dans le mauvais sens. Oh, allez, go, on peut le faire, on peut le faire. C'est bon, c'est celui-là. Prends le troisième, s'il te plaît. Moi, je m'occupe déjà de lui. Oui, bah, je savais pas que tu t'occupais de lui. Je te rappelle que le perso, je le vois pas forcément. Comment ça, tu le vois pas forcément? Ouvre les yeux, mon dieu! Vas-y, le petit, tu peux le faire. Tu un putain de génie. What are you doing? That is not vas-y, ouvre. Et en fait. Mais on est trop malin, ma gueule. Oh là là, 2 minutes 30, ça va être tellement chaud. You are not supposed to be up there. Humans belong on the ground. Si. Là. Non, poussez. Yes, he's exposed. Let's talk about this. You don't know what you're doing. C'est bon. On fait quoi de plus là? P5 ESA. Ah non. Il faut remettre un code. Tu peux me donner les lettres, s'il te plaît? Qui sont sur son écran qui tourne. Voilà. Marche contraire. Mais on peut pas rentrer les trucs. C'est moi qui dois mettre des trucs. Ah oui. Marche contraire, alors E. E. H. Marche contraire. Attends, c'est quoi le contraire de marche? Arrêt. A2ROT. Merci. Pousser les étudiants à une conformité radicale. Je suis con. Je cherchais la marche, tu sais. Ah, j'ai appuyé trop vite. Ah, c'est surtout qu'on n'a pas le temps en plus. Directive P180. Tiens, aide-moi pour celui-là. ESA. S-armé. Les étudiants ont une conformité radicale. Ouais, désarmé. Désarmé, j'ai pas le S. Ah! Allez, connard que je suis! L'amitié est une ressource. L'ANR. C'est bon, on a réussi. C'est une ressource, aide-moi pour celui-là. Amour. Ah. Ah non, il y a les lettres. A plus 1 égale B. S moins 1. C'est quoi avant S? K, L, M, N, O, P, Q. R. Donc le premier c'est R. A plus 4. Attends, je suis sur un autre moi. B, C, D, E, F. L'amitié est... Ah merde. Putain, on était tellement proches. On va arrêter là parce que c'est la fin. On peut pas le refaire parce que c'est très long. On va recommencer maintenant là. Bah après on a toutes les réponses, on peut le tracer en fait. Avant de plus s'en rappeler. Je propose de le tracer. Tu veux. Ouais, on va le tracer. Vas-y, je te réinvite. On va faire ça et après on finira le live ici. Vas-y, t'as reçu l'invite. Bien joué. On va le tracer parce qu'en fait on va zapper. Qu'est-ce que t'en penses? Après on va se retaper toutes les lignes. Ouais. Allez. Hop. Merde, on peut pas passer, si on peut. Si, t'inquiète. You made it down here. T'inquiète pas. On... Oui, blablabla. Allez, bisous. Appuie sur start, tu peux passer. Keep your eyes open. We'll make it out of here. Alors. Step forward. Please try your hardest. Otherwise, the data will be meaningless. Tiens, on reprend les lunettes et on recommence. C'était quoi déjà? Alors c'était 0, 10 à droite, 25 à gauche et 15 à droite. Ok. La réponse de ça c'était quoi déjà? A, D, E. A, A, C, E.
Excellent. Allez, deuxième salle. Mais on s'en fout, on avait les réponses. Allez, vas-y, grimpe sur le Simon. C'était quoi déjà? Mais oui. Mais non, faut les faire marcher. Mais non, on s'en fout. C'était quoi déjà, tu te rappelles? ADE, non? Je me rappelle pas. Ah oh, putain. J'ai regardé sur internet au pire, Nick. Non mais sans parler de ça, il faut qu'il fonctionne les trucs, les turbines. Non, ça sert à rien, punaise, mais oh. Ah, écoute un peu quand on te parle, c'est chiant. C'était... Oh, bah ouais, mais c'est relou. Toi, ferme ta gueule. Tu me parles normalement. En fait, tu veux pas écouter. ABE. Non, c'était ACD. Je te dis, on l'a déjà fait, y'a pas besoin d'allumer quoi que ce soit. Prends une bouteille. Prends la D. Ah, c'est pas la D là-dedans. Ah merde, c'était ADE. Mais je suis trop bête. Faut prendre la batterie. Stunning. You can read a chart. Je sais pas où elle est, c'est toi qui l'avais pris. T'as pas pris la broche de la prof? Si, je l'ai. Bah voilà, faudra ouvrir sur le côté. J'arrive. Et là, on avait déjà les réponses. Donc, mais déjà, surtout oui, mais pour faire l'escalier. L'escalier. Ouais, je te pousse les trucs. C'était quoi déjà là? Attends, mais on s'en fout. Je suis en train de me dire, on s'en fout, on peut le fumer sans faire l'examen. Parce que l'examen, c'était pour savoir, c'était marqué ne pas s'autodétruire. La batterie. Oh, reviens dans la salle en fait, on s'en fout. Ne pas. Auto, A-U-T-O-D-E. T'es cherché les bonbonnes? Nous, j'ai pas de la broche par contre, hein. C'est bien beau de faire l'escalier, mais si tu peux pas non, mais on s'en fout. Faut refaire juste le pattern. Les bonbonnes, elles sont de l'autre côté. That's more like it. Stay on target. Mais il nous faut les bonbonnes. Hein. Il nous faut les bonbonnes de dos. Oui, bah la feuille, je l'ai pas. Mais j'ai pas le code, moi. Je me rappelle plus du code, moi. Ah putain. D'abord rentrer les codes. On s'en fout, ouais. Bah, t'es sûr de ne pas autodétruire, donc tu pourras me donner les codes avec ça. C'était quoi ce truc-là déjà? Bah, t'étais sûr de ne pas s'autodétruire, tu sais que t'avais le code? Oui, mais je me rappelle plus, ça marche pas. Parce que j'ai dû me tromper d'une. D'un truc. C'était quoi ce truc-là? Blablabla. Bla, bla, bla. Ça c'est B et D. Repère là. Non, enlève le U. Non, non, excuse-moi, laisse le U et change juste le I d'un truc, s'il te plaît. Ok, normalement c'est ça. C'était hier, c'était bien ça les deux derniers là. Attends, mais je suis en train de faire. Code, s'il te plaît. Oui, je suis là, je suis en train de le remplir. Si j'ai pas la feuille de code, ça marche pas, j'ai l'impression. Voilà, regarde. 1, 2, 3. C'était sauté là. Ah voilà, c'est super. I told you this was the wrong course of action. Exit the court immediately. Maintenant t'as fait les escaliers. T'as fait les escaliers déjà, ouais. Bah bouge pas, je vais passer par les escaliers. Et t'es prête à prendre l'écran? Oh là là, je suis parti tellement loin. Il me suit les yeux, vilain. Il veut te chaber, wesh. Ah, bien joué les. What are you doing? That is not part of the test. Allez, c'est parti. T'es prête à lui mettre sa misère? You are not supposed to be up there. C'est Humans parti, gros bouton rouge. Alert. I am not joking. Step away from the terminals. Ah, faut juste que t'es prête. Excuse-moi, j'ai pas mis le tuyau de la bouteille. No. Yes, he's exposed. Allez, c'est parti. You don't know what you're
A plus 1 égale B, donc S moins A, B, C, D, F, G, K, R. A, B, C, D, F, T, S, T, V. Désormais. R, S, T, A. S'amuser est une forme rêvée. This is unacceptable. Give up now and you will. Donc l'amitié est un gâchis de ressources. C'était ça qui bloquait. R-G-H-I. S'amuser du... Ré-vi-ré... Moi c'est alors, R. L'amitié, L5. S... Réviser. Ok. L5. Ah oui, t'as trouvé le code. 3, 4, U. L'amitié est un gâchis de ressources. 4, 5, L. Annu. Annulé. 6, 7. Ah, bien joué. On l'a dégommé. There is so much we can accomplish together. Please. Directive principale. Fume-le. On appuie. Créer les meilleurs. Les meilleurs experts en évasion, quel qu'en soit le coût. Alors attends, on va le faire ensemble peut-être. M-1, c'est N. Non. P, Q, R, S, M. Attends, c'est un cumul de tous. Ouais, c'est donc L. L, c'est 2. Non, c'est non, pas L. L, c'est 3. L, c'est 3. C'est M-1. L, elle va à la deuxième place, donc c'est là. Non, il n'y a pas L là, c'est si. Le problème. Non. C'est quoi ça, c'est C ? Ah, c'est le contraire de... Oh putain, c'est le contraire de... du mot qu'on écrit en fait. Ok. C'est des crochets. Donc A, c'est Z. A, c'est Z ? Mais non, t'es con, tu le fais exprès. Elle écoute pas. On va écrire un mot et après il faut mettre le contraire. A c'est 1, L c'est 2. En 3 c'est M, donc c'est N. Le 4 c'est U. Le 5 c'est quoi? L, L, M, c'est M. Le 6 c'est quoi? R. Non, c'est ER. Donc c'est, j'ai écrit allumé, donc c'est éteindre qu'il faut écrire. Non, moi tu m'as fait allumer. Ouais, E. T'inquiète, fais-moi confiance. E T E I N. Arrête de toucher, débilos. Oui, c'est tout. Va aller trop vite, ça m'énerve. Mais qu'est-ce que tu touches? Les lettres, elles étaient bonnes. Non, c'était pas bon. Il y a c'est bon. Oh. Lancement de la procédure d'arrêt permanente. Oui, on va le fumer. Salaud. Mais c'est une araignée. Évasion réussie. S'évader de sous les fondations. On l'a fumé. Bye bye Quanti, salopard. 8 minutes 10, ah, on l'a défoncé. On est trop intelligent, du premier coup. Lol. Bon, on s'en fout. 3 jours plus tard. Eh, je sais que tu vas pas tarder à monter sur scène, mais je voulais te dire que ce que tu as fait face à Quanti, c'était impressionnant. Tu mérites tout ce qui t'arrive et je suis contente pour toi. Ah, Gallian, je vois que vous êtes venu féliciter vos camarades. Vous devriez vite aller vous asseoir pour assister à la cérémonie. La cérémonie, pardon. Bonne chance, elle ne... La même en français, bonne chance et ne va pas croire que je vais te laisser te reposer sur tes lauriers. Tu vas avoir la... de la concurrence l'an prochain. Du premier, second essai. Oui, exactement, Okuto. Le grand jour est enfin arrivé. Le parcours aura été semé d'embûches, mais votre première année à Escape Academy touche à sa fin. Je suis on ne peut plus fier de vous et je sais quel le vrai il, pardon, il ressentirait la même chose. Vous avez prouvé que vous avez l'intuition. Oh la vache, vous avez prouvé que vous avez de l'intuition et que vous savez improviser. Vous faites ce que vous prenez. Oh la putain, vous faites ce que vous. La putain, deuxième édition. Vous faites ce que vous pensez être nécessaire, quels que soient les obstacles.
Vous incarnez véritablement les valeurs de l'évasion et vous méritez cette distinction plus que quiconque. Le sceau de l'évasion symbolise tout ce que vous avez accompli dans cette école et tout ce que vous avez fait pour lui permettre de continuer de former les générations futures. Il est temps de commencer la cérémonie. Votre prochaine aventure vous attend. Ah, on est maître Pokémon! Battu la ligne. Ouais. Touche ton torse. Merci copine. Non, c'est pas ça. Ah, félicitations, l'Escape Academy est fier de vous. Ah oui, bah oui, t'avais raison, il y en avait bien un qui restait. Waouh, le badge de la Ligue. Ok, c'est vraiment la fin la plus nulle. À bientôt. Fermé. Ah, attends. Et moi, j'ai même pas eu le droit au saut qui se range dans le truc. Hein. Ah ouais ? Ah, j'ai passé. Ouais. Il y a peut-être un poste générique. Non, tu veux pas passer ? Ah voilà, fin de la première année. La fin critique. Bah oui, parce qu'après il faut acheter les DLC. Terminé, bonsoir, merci d'avoir joué. C'est un peu ça. Bon les amis, après moult disputes, mais c'était quand même bien rigolo. On a terminé Escape Academy première année. Il y a d'autres DLC qui sont disponibles. Les fratons, je ne sais pas, parce qu'il faut les acheter, donc bon, on verra plus tard. En tout cas, c'était cool. C'était plutôt sympa. Beaucoup de prise de tête parce que j'ai pas de patience, mais le jeu est vraiment cool. Les énigmes sont sympas et puis on peut se les refaire en... Tu peux relancer ta épilogue, été. Tu peux relancer le jeu seul, hein, si tu veux. Vous avez terminé votre première année à l'académie et à présent les grandes vacances commencent. Mais vous pouvez rester aussi longtemps que vous le voulez pour revivre vos souvenirs de cette année. Vous pouvez refaire n'importe quel escape game depuis le dortoir. Ah, bah il y avait bien un after. Tu peux relancer ta partie. Et tu peux discuter avec la doyenne 600 fois. Oui, bah oui, je sais, j'ai fini mon année. La meuf, elle me parle en boucle. Ok, donc on peut tout... Il est où le dortoir ? Ah, la bibliothèque, on peut plus y aller. Elle est vraiment brûlée dans le dessin, regarde. Il y a ça. Il est où le dortoir ? Ah, c'est là. Qu'on a tous les objets du... Ouais, on a tous les objets du jeu. Inspecter. Saut de l'évasion, c'est désormais officiel. Mon lit est plus confortable qu'il en a l'air. Ok, en fait, vous avez tous les détails de ce qu'on a fait pendant... ouais. La chambre s'est étoffée de tous les souvenirs. C'est pas mal leur mécanique quand même, c'est rigolo. Et là, on peut tout relancer si on veut. A plus. A plus. A plus. A plus. A plus. Ah, on n'a pas fait A plus. B moins. Nul. A plus. A. A plus. A plus. Oh, on a fait des bons scores quand même. Et donc là, on peut tout relancer. Ah, et là, c'est A plus, la confrontation. Donc on peut tout relancer. Et pour les DLC, voilà, on a Escape Game, l'évasion de l'île anti-évasion et Escape Academy, évadez-vous du passé. On a encore d'autres trucs à faire. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va clôturer ce let's play ici. Merci de l'avoir suivi de A à Z. J'espère que vous avez bien kiffé. J'ai complètement oublié d'enlever le texte. Personne ne me l'a dit, mais c'est pas grave. C'est que je regarde pas le retour du live. Bon, ouais, j'espère que ça vous a pas gêné, mais tant pis. Hein. En tout cas, nous, on a fini le jeu, c'était cool. On va vous faire des bisous. Je vais vous laisser ici très rapidement pour clôturer la VOD. Puis on revient dans quelques instants. Merci, n'hésitez pas à regarder les autres let's play qui sont proposés sur la chaîne YouTube. Vous avez beaucoup, beaucoup de jeux qui sont proposés. N'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch, puisqu'on stream assez régulièrement. On fait beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux 1-2, beaucoup de jeux qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. Merci et à très bientôt sur YouTube. N'oubliez pas que vous avez une vidéo tous les jours à midi d'un let's play en cours. Ou vu le nombre de jeux qu'on fait, des let's play terminés. Vous pouvez tout revoir sur Twitch en avant-première si vous le souhaitez. Tout est à disposition. A bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire ce que vous avez à faire. Et on revient sur Twitch dans un instant. A bientôt YouTube. Bisous.